Je suis le speaker des internationaux de Strasbourg, WTA 500. J'ai pas beaucoup de latitude en matière d'initiative. Je suis très contraint, mais dans le sens positif de la chose, par les règles du circuit mondial de la WTA. Ce qui fait que j'ai un temps de parole, j'ai un temps de questions, puisque le tournoi est retransmis dans 140 pays. La totalité de votre journée dans le cadre des interventions de Strasbourg édition 2024, format WTA 500. C'est un gros tournoi, il y a plein de joueuses, même des gens qui viennent de loin quand même pour voir ça. Et nous, c'est juste à côté de chez nous. Pour toi, c'est carrément chez toi. Donc c'est vrai que c'est super chouette d'avoir ça juste à côté de chez nous. On est leur petit ange sur le terrain. On ramasse leurs balles pour qu'elles restent concentrées dans le match. Voilà, c'est vrai qu'on est sous le soleil pendant un petit moment. Le soleil, oui, c'est fait chaud. Parfois, c'est le pire, c'est les insectes. C'est les moucherons. Les moucherons, les gros bourdons qui se posent sur ta joue pendant que tu ramasses. Mais après, en dehors, on est quand même proche des joueuses en plus, même si on est sous le soleil. Et à côté, on est en petit groupe, on s'amuse, on peut se balader, voir les joueuses. C'est les petits côtés positifs qui prennent le dessus. On est par groupe et dans chaque groupe, il y a deux équipes. Et les deux équipes, elles se relaient à chaque fois. Faut être concentré, ouais, ça c'est la première des choses. Concentration vraiment pendant tout le match. Parce que si on pense à autre chose, même pas une seconde, on est perdu dans les points et là, il y a tout qui bouge. Si on a le courage d'aller voir une joueuse et de lui demander quelque chose, elle peut nous le donner. Ou des joueuses qui cassent des raquettes et on leur demande. Une photo d'abord. Ouais, une petite et photo, puis, c'est chouette. Si on peut taper la discute 30 secondes avec elle, c'est déjà sympa. C'est puis, alors, on évite entre les matchs, mais après une victoire, par exemple, on peut lui demander un poignet ou un bandeau, un truc comme ça. Ouais. Il y a toujours quelque chose à récupérer. Quand elles sont de bonne humeur, ouais. C'est bon. Donc là, on fait partie d'un. Je fais partie d'un groupe est chargé de l'accueil, donc du grand public, des invités et puis des personnes aussi à mobilité réduite. Donc on alterne en fait durant la journée les différents postes. On fait donc de l'accueil grand public, on s'occupe du point info, de la billetterie pour biper les billets et on renseigne également les gens pour les orienter. Cette année, donc, le tournoi a pris plus d'ampleur. On a changé de classification en WTA 500, donc voilà, c'est un petit peu le Graal pour Strasbourg aussi. On accueille beaucoup plus de monde à la journée et les espaces sont plus grands également sur l'enceinte. C'est un tournoi de tennis assez important en France, je crois que c'est le troisième, avec beaucoup de spectateurs, donc c'est assez important pour Strasbourg, pour la ville de Strasbourg. C'est une ambiance assez chouette. C'est des super journées où on rencontre beaucoup de monde. Il y a beaucoup de matchs super intéressants. Les gens qui sont passionnés de tennis, ils ont envie de venir. Donc voilà, on n'a même pas besoin d'en parler. Ils savent que c'est la semaine où il y a les internationaux de tennis féminin. Il y a aussi dans tout ce travail aussi un aspect convivial parce qu'on fait partie d'un groupe de gens qui se retrouvent chaque année. Dès l'instant où j'ai pris ma retraite, voilà. Parce qu'effectivement, les gens qui sont disponibles une semaine au mois de mai, ce sont a priori des retraités, hein, on est bien d'accord. Donc oui, ou des étudiants, oui. Mais il y a, bon, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, il y a quand même quelques personnes qui sont, la plupart sont des retraités. C'est ce qui m'a un peu surpris quand je suis arrivé lors des réunions de présentation, c'est que j'avais beaucoup d'anciens, on va dire. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est de participer un petit peu à la vie du club. Bah, sans les IS, vous enlevez les badges violettes. Vous enlevez les gradins, mais vous avez un super complexe où vous avez toujours des disponibilités pour jouer été comme hiver. Alors l'été, c'est top parce que vous pouvez venir avec un pote ou deux ou la famille. Moi, je joue souvent pendant midi. On joue devant le Parlement européen. Des fois, on ne mesure pas la petite chance qu'on a. J'ai eu l'opportunité cette année de participer aux IS, donc en tant que bénévole sur le placement des visiteurs. Donc c'est une belle expérience et je suis ravi d'être là. Avec un peu de discipline quand même, puisque... pas faire de bruit, comme toujours dans les matchs importants comme ça. Tant qu'un match est en cours, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Mais sinon, bon, ça se passe bien généralement. On est dans l'ambiance et moi, ce qui me plaît d'autant plus, c'est qu'on voit du beau tennis et puis on se rend compte que c'est un vrai événement qui a pris de l'ampleur quand même cette année par rapport à l'année dernière. On voit la différence, donc ouais, c'est bien. Déjà maintenant, il y a trois terrains où il y a vraiment beaucoup de gradins, des gradins.
Et après, le cours central, maintenant, cette année, je crois qu'il accueille 1000 personnes en plus. Donc en termes déjà d'infrastructure, c'est déjà beaucoup plus important. C'est un peu symbole du tennis féminin ici en Alsace. Alors là, mon rôle à la Fan Zone, c'est d'accompagner des gens qui ont envie de jouer un peu au tennis, de découvrir le tennis, notamment principalement quand même des jeunes enfants. Et concrètement, ouais, c'est de faire des activités amusantes pour qu'ils puissent s'amuser entre les matchs. Donc là, on a un collège où on les sensibilise sur le mur interactif pour travailler la vision panoramique et surtout la réactivité. On sensibilise aussi le public d'enfants collégiens au tennis fauteuil avec un petit parcours de motricité pour les sensibiliser à la difficulté d'être personne à mobilité réduite, PMR. Et l'idée, bah, c'est de les faire passer, qu'ils essayent tous les ateliers. Histoire qu'ils prennent du plaisir aussi à côté de découvrir un peu le tennis. Je crois que j'ai fait les premiers internationaux de tennis féminin à Haute-Pierre, comme juge de ligne. Donc ça fait 38 ans que ça dure, 38e édition, et j'ai raté 3 éditions. On est deux à s'occuper de tout ce qui est... Vraiment, tout ce qui est au branchement haut, donc sanitaire, évacuation des eaux usées, donc voilà, donc, tout ce qui est installation provisoire, donc c'est notre rayon. On règle les problèmes, il faut que les gens ne voient pas qu'il y a des problèmes, c'est tout. Donc, c'est ce qui se passe dans les coulisses, je pense que dans chaque événement, il se passe des choses dans les coulisses qui font que les gens soient à l'aise et confortablement installés. Donc, notre mission, ça va être... de mettre des renforts sur des différents moyens, des chargements, réassort de tout ce qui est boisson, porter une chaise, une table, voilà. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qui a été accompli durant effectivement les deux dernières semaines, que ce soit au niveau des structures des tribunes, que ce soit au niveau de toute la structure restauration. Nous, on distribue tout ce qui est boisson, et tout ce qui est alimentation pour les joueuses, pour les salles de repos, etc. Et on s'occupe aussi principalement de tout ce qui est serviettes, nettoyage des serviettes, lavage, séchage, pour les joueuses, pour les kinés. Et voilà, c'est principalement notre travail. C'est énormément de bonheur puisque tout le monde est très ouvert et très 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 sympa et ça se passe très bien. Mon fils est responsable des chauffeurs depuis énormément d'années. On est une équipe de 26 personnes qui s'occupent du coup du transport des joueuses et de toute l'organisation d'AWTA pendant les 10 jours du tournoi. En fait, il y a deux équipes, une équipe du matin qui travaille de 7h à 14h et une équipe l'après-midi, 14h-21h. Donc moi, je suis de l'équipe du matin, donc durant 10 jours d'affilée, je fais le matin de 7h à 14h. Donc la navette, c'est du Marriott à ici et vice-versa. Et puis, il y a des courses à la demande, donc pour amener les joueuses soit à l'aéroport, soit à la gare, ou aller les chercher à l'aéroport ou à la gare. Alors l'aéroport, ça peut être Bâle-Mulhouse. On va à Francfort, à Stuttgart, à Bâle-Mulhouse. Donc on a 14 voitures mises à disposition en fait par l'espace H BMW. On a pratiquement tout le parc qui est en électrique, 100% électrique. Et puis on est ce lien aussi entre le tournoi, entre la joueuse, entre son arrivée. Donc on a un rôle hyper important aussi, voilà. On se doit d'être à l'heure, de pouvoir gérer. Parfois c'est difficile hein, quand tu as beaucoup de personnes avec beaucoup de bagages. Donc on gère tout pour que voilà, tout soit effectivement ici. Des anecdotes, on en a toujours, hein, ça c'est clair. Voilà, la plus connue qu'on avait, c'était Sharapova quand elle était là à la finale. Le chauffeur va la chercher et il fait malheureusement tomber la clé de la voiture en fait dans l'avaloir juste en dessous. Donc on a Sharapova le jour de la finale plantée devant l'hôtel avec le chauffeur qui a plus de clé. Et finalement l'image était lunaire puisqu'elle était assise sur le trottoir avec son téléphone en train de filmer le chauffeur avec un fil de fer en train d'essayer de la pêcher. Et ça avait fait rigoler tout le monde et elle était morte de rire. Il y a encore 2-3 ans en arrière, il y a une joueuse qui me dit mais j'en ai tellement marre, j'arrête ma carrière quoi. Donc quand t'as quelqu'un dans la voiture qui te dit que... Et là tu essayes d'avoir le sourire et tu te dis mais non, vous pouvez pas faire ça, allez. Dans l'espace qui se trouve, donc juste ici, on a le côté piscine avec le médical kiné et l'espace des joueuses avec la salle fitness.
Et de ce côté-là, donc, on a le player lounge pour les joueuses et les coachs. Et on a le restaurant également, et surtout principalement le player desk, où se trouvent plusieurs services, dont donc, il y a le cordage, le pressing, les practices et tout ce qui est facility aussi pour les accompagner et les aider. Alors en fait, les joueuses, elles viennent avec leur matériel, elles viennent avec leur raquette, leur cordage. Et elles viennent avec leur desiderata, pardon. La tension, c'est le poids qui est demandé par la joueuse. Ensuite, plus on tend la corde, plus ça veut dire que la joueuse va jouer en précision et en contrôle de balle. Elle change la tension en permanence. Voilà, comme là il a plu, les terrains sont très lourds, la terre est très lourde, donc en général elle baisse un petit peu. Il faut être endurante, parce qu'on tient debout toute la journée, on peut travailler pendant 10-15 heures debout. On est là depuis 6h30 et on va continuer jusqu'à 22h, 22h30, même 23h. C'est que chaque personne qui travaille ici est indispensable. Si on n'est pas là, il n'y a pas de tournoi. Pas que nous en tant que cordeurs, hein, je parle de tout le monde en général. Mais c'est vrai que sans les cordes, c'est un peu plus compliqué à jouer quand même. Bon, on reste toujours connecté entre le Toki, les mails, les WhatsApp et le téléphone. On a beaucoup de demandes de joueuses en direct. Donc on doit répondre à toutes leurs demandes en fonction des questions qu'elles ont par rapport à la réservation d'un practice. Elles passent toujours nous voir pour savoir sur quel cours elles sont programmées. Quand elles recherchent des informations ou un accompagnement ou n'importe quelle question, on est là vraiment pour faire la relation. Et aussi, on s'occupe beaucoup donc, de la partie physio et médecin aussi, en fonction des demandes et de ce qu'ils ont besoin. On est toujours là à répondre à la demande. Ici, c'est le desk où les joueuses viennent d'abord, pour la partie sportive, booker, donc réserver leur terrain d'entraînement, chercher leurs balles, chercher également des serviettes. Elles viennent déposer leur linge. Et nous avons un desk déporté qui est au Marriott. J'ai le plaisir de voir passer les joueuses et leur équipe, de pouvoir les aider dans leur démarche, que ce soit simplement pour obtenir un véhicule pour aller de l'hôtel jusqu'au terrain, ou pour des questions de nettoyage de leur linge sale, par exemple. Alors, on essaye de faire en sorte qu'elles se sentent comme chez elles et puis qu'elles n'aient surtout aucun problème autre à gérer que leur match et leur préparation. On voit quand même de très très bonnes joueuses. C'est un tournoi qui monte en puissance et bah, je souhaite que participer tout simplement à cet événement. Je travaille pour le service accommodation, donc hébergement et service aux joueuses du tournoi. Je travaille donc en lien avec le Marriott et les joueuses, les coachs et accompagnants notamment pour tout ce qui est réservation d'hébergement. Mais ça ne s'arrête pas là évidemment puisque c'est moi, entre guillemets, avec l'équipe de bénévoles en place sur site qui accueillons les joueuses et qui sommes le point d'entrée des joueuses. Je suis avec une équipe de bénévoles qui est en place, qui se relaie. On est toujours entre 2 et 3 en poste. On essaye de répondre à toutes les demandes des joueuses pour qu'ensuite on puisse qu'elles soient satisfaites et qu'elles puissent après profiter de leur tournoi. Et nous, il nous est imposé par la WTA de prendre en charge un nombre défini de nuitées pour les joueuses. Et on remplit quasiment en intégralité l'hôtel. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même du public, des personnes hors tournoi qui sont hébergées ici. Et c'est un vrai plaisir de travailler, que ce soit avec les joueuses, mais aussi avec le Marriott et la direction du Marriott. C'est vraiment agréable parce qu'ils sont là pour répondre à tous nos besoins aussi. C'était en battue, c'est la même qu'à Roland-Garros. Puis en dessous, t'as le mâche-fer. Et au-dessus de calcaire, et juste une petite pile de rouge, une pellicule qui est fine de 1 mm. Et ben, le matin, on arrive, on débâche, on racle l'eau qu'il y a dessus, et puis après, on passe la traîne, on met du rouge, du calcaire, et tout ce qu'il faut, et puis les lignes. Après chaque match, il faut passer la traîne, les lignes, et puis arroser le court. Pour qu'il soit déjà humide, pour que les filles ne glissent pas, et qu'ils ont leur appui, vraiment. Et puis en tout, on a 12 cours à faire entre les 3 compétitions et les cours d'entraînement. On les fait tout le temps sans arrêt pour que les joueuses ne râlent pas, parce qu'après, s'ils viennent sur les cours de compétition, pour que la terre soit pareille que les cours d'entraînement. On est là en tant que sparring, donc on s'entraîne avec les joueuses qui demandent. En général, on a au moins
deux entraînements, deux échauffements par demi-journée depuis le début du tournoi. Ouais, tout est chouette, hein. Non, mais je veux dire, c'est des grosses expériences, ça nous permet d'être au contact du tennis professionnel. C'est aussi la concrétisation d'un rêve de petit garçon, parce que quand on apprend à jouer au tennis, on a tous au moins une fois dans sa vie, à un moment donné, on s'est dit « Ah bah j'ai envie un jour peut-être d'être joueur professionnel ou de savoir comment ça se passe ». Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir se confronter au monde professionnel. Voilà. C'est très spécial de regarder et de comprendre un peu les manières de faire très haut niveau en termes d'entraînement. Ça ne parle pas, c'est complètement un autre monde. Quoi. Moi, du coup, en tant que coach, ça me montre aussi ce que les coachs vont faire, eux, sur le terrain. Ça va être totalement différent de ce que nous, on va pouvoir faire en club. En tout cas, ça va s'éloigner un petit peu de ce qu'on va faire en club. C'est passé d'une pratique de passion à un monde professionnel, à une rigueur professionnelle. Parce que quand on joue du tennis en club, eh ben, en fait, c'est joyeux, on est passionné. Alors que là, il y a la rigueur, c'est professionnel. J'attends Stephens, qui était numéro 3 mondial, qui là doit être 24 dans le top 25, je pense. J'ai déjà joué hier avec elle. Justement, elle a demandé à m'avoir de nouveau aujourd'hui parce qu'elle a dû bien aimer hier, ça a dû lui plaire. Donc il y en a certaines, c'est plus cool. Elle, c'est plutôt dans le professionnalisme et dans le sérieux. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de discussions, etc. Mais elle est concentrée direct dans ce qu'elle cherche, elle, dans les sensations qu'elle doit avoir, etc. Bah, surtout, ça fait jouer différemment. Les filles, ça joue beaucoup tendu, même si ça arrondit un petit peu des fois sur les trajectoires comme ça, mais ça joue quand même plus tendu que nous. C'est phénoménal, l'attention, la concentration et l'implication qu'elles vont mettre sur chaque séance. C'est pas possible de le vivre en dehors d'être sur le terrain en face, quoi, ou à côté. I play really flat, so it's perfect, especially for the woman. From one week, I start to work with Leila Fernandez, like, as a sparring. Yeah, I did the sparring on the official tournament in Rome, in the Internazionale of Italy. And we practiced 2-3 times, and then they asked me if I was able to go with her for some tournament. I can say no to this opportunity. There is really so much people here and it's really fun. The food is nice. The place is really good. The weather today is perfect. Sometimes it's not like this, it's raining a lot, but it's fine. Renverser mon gobelet et puis voilà, ça y est. Alors c'était un grand gobelet, on n'a pas eu de chance cette année, grosse averse, pas prévu au programme, ça oblige les collègues de sortir la raclette et puis de se mouiller les pieds, quoi. Alors pour l'instant, moi j'ai réussi à me préserver les chaussettes, donc tout va bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors moi je suis superviseur des ramasseurs de balles. Je suis assis derrière le juge arbitre et je suis à la disposition des joueuses si elles ont besoin de quelque chose. Du spray anti-moustique, de la crème solaire, des mouchoirs, une boisson quelconque, une serviette supplémentaire ou autre. Et je suis là, on va dire, pour leur donner satisfaction. Moi, je vois si tout le monde a tout le matériel, si les enfants ça va, s'ils ont leur casquette. On vérifie leur bien-être en fait aussi. Et puis on fait un peu attention à leurs doléances. Et puis bien sûr, s'ils travaillent bien, si leur prestation est bonne, voilà. Il y a deux gros groupes. Il y a un premier groupe important qui s'occupe donc vraiment des matchs, ramasser les matchs. Il y a trois cours sur lesquels se jouent les matchs. Le deuxième groupe, il est constitué de deux petits groupes qui s'occupent des échauffements ou de l'entraînement des joueuses. Bah voilà, moi c'est Mathéoas et je suis ramasseur de balles aux IS. Et on va interviewer le public. Alors, c'est la première fois que vous venez aux IS ? Non. La deuxième ? Oui. Et alors, ça te plaît ? Oui. C'est qui ta joueuse préférée ? Diane Parry. Diane Parry, malheureusement elle a perdu. Non, déjà la deuxième que je suis ramasseur de balles. Ça fait une belle expérience en tout cas. Bonjour, c'est la première fois que vous venez aux IS ? Non.
Non. L'an dernier, je suis déjà venue. L'an dernier aussi. Et alors, vous en pensez quoi? Bah, c'est très bien. L'ambiance, tout c'est ça, beaucoup, ouais. C'est sympa. Et il fait chaud aujourd'hui, une petite glace pour vous désaltérer, c'est ça? Oui. Et votre joueuse préférée? J'en ai pas. Vous en avez pas? J'espère que vous supportez la française. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Merci beaucoup, bonne journée. Dans 5 minutes, t'es sur le terrain. Hein. Oui, oui. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Ça va très bien. C'est la première fois que tu viens aux IS? Exactement. Et alors, comment tu trouves l'ambiance des ramasseurs de balles? Nickel. Nickel. Ouais. Ça te plaît? Oui. Tu reviendras l'année prochaine? Sûrement. Alors, c'est la première fois que tu viens aux IS? Non. Non, tu viens souvent alors, chaque année? Quasiment? Ouais, depuis 3 ans. Ah, c'est cool ça. Et alors, c'est qui ta joueuse préférée? J'en ai pas. T'en as pas? Et les matchs, ils étaient cool aujourd'hui? Nous, ce qu'on aime bien, c'est regarder les Françaises surtout. Donc, on est arrivé ce matin. Et puis, c'est bien, il fait beau. Donc, on est un peu content d'avoir choisi ce jour-là et pas hier, vu le temps qu'il faisait les derniers jours. Ouais. Donc, voilà. On a entendu parler plusieurs fois et là, cette année, on s'est dit, bah, on y va, tant qu'à faire. Et bah, je pense qu'on reviendra les prochaines années parce que c'est vraiment sympa. Bah, moi, j'ai des tournois de tennis parce que je fais du tennis de mon côté. Donc, ça, ça m'a motivé aussi, voir comment les autres jouent. Puis, c'est toujours intéressant de voir tout ça. J'ai ouvert une page Instagram pour parler tennis de ma passion depuis plus de 20 ans. Donc la page c'est Moki Tennis. Voilà, et j'organise notamment tout ce qui est live, interview avec les joueurs et joueuses professionnelles qui ont envie de partager un peu leur expérience pour tout le monde amateur de la petite balle jaune. Ouais, c'est vrai qu'on a eu une certaine frustration hier avec peu de matchs. On a eu 1h30 de jeu hier soir. Donc ça a été l'occasion un peu de découvrir et de prendre ses marques sur le tournoi, d'aller voir les joueuses s'entraîner sur le practice intérieur. Et mon programme aux IS, c'est de découvrir un peu tout le site, de suivre un peu les matchs, si possible suivre les conférences de presse, pouvoir faire des interviews en one-one, un peu en lien avec ma page, voilà, pour partager un maximum de contenu. Et puis étant passionné, je pense que je vais passer des heures dans les gradins pour regarder les matchs des Françaises et puis de toutes les grandes joueuses qu'il y a sur ce tournoi. Olivier Bourderon. Oui, Sylviane. Je m'appelle Yèvre Francis. Ça fait ma 12e année que je suis aux IS. Bénévole au sein des Internationaux de Strasbourg. C'est une institution à Strasbourg. C'est un tournoi de tennis féminin. Le seul de cette échelle-là en France. Et on est fiers de l'avoir. Voilà.